Salut, c'est encore moi. Très heureuse d'être avec vous. Donc, comme le dit le titre de mon direct, je voudrais vous demander de pouvoir me nettoyer, vous débarrasser de beaucoup d'anciennes choses. Ok. Donc, beaucoup d'entre vous, vous savez que le nouveau est là. Vous savez qu'il y a de belles choses qui vont se passer. Je peux avoir le chargeur, s'il te plaît. Bon, ça va, je vais. Ça va, là, il a pour ça. Il est pour me donner. Ça, là, c'est pour la caméra. Pourquoi ça, c'est le chargeur direct, là? J'ai demandé ça pour elle. Là, c'est pour la caméra, ça repart là où il y a la caméra. Il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer. Votre énergie est en train de shifter. Vous êtes en train d'être élevé. Vous êtes en train de changer. Certains vont saisir, d'autres ne vont pas. Ce qui se passe, c'est à l'échelle planétaire. Donc, vous pouvez être aux États-Unis, vous sentez ce que je chante et dis. Vous pouvez être à Paris, vous ressentez ce que je dis. Vous pouvez être à New York, à Bajoun. Les choisis sont des personnes qui se connaissaient et qui connaissaient leur mission avant de venir sur la Terre. Et vous saviez que vous avez une mission en venant. Vous avez accepté votre mission en venant. Heureusement ou malheureusement pour certaines personnes, votre mission est même de désapprendre certaines de vos croyances négatives et d'apprendre certaines croyances positives. Donc, vous voilà. Vous avez commencé à vous réveiller. Vous commencez à vous rappeler de qui vous êtes. Vous commencez à vous rappeler de ce que vous avez décidé de venir faire sur la terre. Certains parmi vous, en novembre, vous ne connaissiez pas que vous étiez choisi. Et là, on est en mars. Vous vous connaissez déjà. Vous sentez que votre énergie a changé. Merci. Je veux porter à votre attention le changement qui est déjà en train de s'opérer en vous. Avant, vous aviez besoin de partir travailler de 9h à 21h. Nettoyer les fesses des gens pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, il te suffit de t'asseoir. Tu parles avec quelqu'un 2 heures par jour. La même somme d'argent touche ton compte chaque semaine. Bonjour la reine Sfatou, comment tu vas? Dieu m'a envoyé vous dire ce soir. Écoutez, je suis mariée Edouard. Je ne sais pas pourquoi j'ai beaucoup de... Ce soir, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans l'atmosphère. Cette nuit, vous allez faire beaucoup de rêves. L'énergie est vraiment à son pic. Ceux qui vont saisir,
Tu vas rester comme ça, là, tu vas parler. Aujourd'hui, je suis allée visiter un immeuble. J'étais dans l'immeuble, hein, je vous assure. J'étais dans l'immeuble à la fenêtre, j'ai regardé, j'ai dit, waouh, non, franchement, le monsieur là a construit quelque chose à Douala. Il l'a construit. Et je reste dans l'immeuble comme ça, là, j'ai un flash de moi. Je dis à mon mari que, tu sais quoi, je me vois dans quelques mois en train de construire mon immeuble comme ça. Il me dit, oui, ok. Je rentre le soir, j'ai dit ça avec 14h, 15h, non, 13h. À 19h, je suis en train de regarder les messages que j'ai reçus depuis le matin. Parce que bon, bien sûr, vous écrivez tellement. Je vois une de mes filles me dire qu'elle a rêvé de moi. La nuit qui vient de passer là, la nuit dernière. Et elle m'a vu devant un grand immeuble. J'étais en train de faire les finitions de l'immeuble et que l'immeuble, c'était pour moi. À votre avis, comment est-ce que j'ai pu me connecter à la vibration de ce que Dieu lui a montré le matin? Je vous dis toujours que Dieu va vous montrer ce qu'il va faire dans votre vie. C'est parce que vous n'écoutez pas, vous n'êtes pas attentif. Tu dois pouvoir te lever le matin où tu auras beaucoup d'argent. Tu dis que l'argent, je sens l'argent qui est en train de venir. Que je sais. Et l'énergie dont je vous parle, c'est une énergie qui crée l'argent. C'est une énergie qui appelle l'argent. C'est une énergie qui ça renouvelle. Ça fait que quelqu'un vient pour te faire du mal. Après, il te donne la faveur, ça pour rien. Ça fait que tu viens ici, peut-être tu paies 3 millions. L'esprit te dit laisse. Quelqu'un vient prendre 4 500 euros, 5 000 euros, il part avec. L'esprit te dit laisse. Tu te tournes comme ça, 3 jours plus tard, tu t'es fait 15 000 euros. Parce que l'esprit, tu savais que si tu restais accroché sur les 5 000 euros là, ça allait te prendre l'énergie de 100 000 euros. Et à la fin, on va te donner, on va te remettre 5 000 euros là en 500 000 francs, 500 euros chaque mois. C'est toi qui allais perdre. Écoutez-moi bien. Parce que l'affaire que je te vous dis là, vous allez rester comme ça là. L'argent va venir. Tu vas dire que, mais ça sent même d'où? Ah oui, je te devais depuis longtemps. Et tu te rappelles, non? L'année passée, on avait dit qu'on devait faire le contrat ensemble, non? Oui. J'avais tes détails bancaires. J'étais moi à payer. Oui. Tu me livres quand? Il y a les conditions. Quand vous dites que vous partez dans le Mokwagne, on vous donne les conditions là. Je vais vous donner les conditions. Condition numéro 1. Dites une si vous voulez. Je m'en fous. Vous comprenez ce que je veux dire. Condition number 1. Vous devez pardonner. Beaucoup d'entre vous, vous retenez encore vos pères dans vos cœurs. Ah, mon père, ils sont pas occupés de moi. Hein. Il a abandonné ma mère. Quand tu penses à ton père, ta bouche est en sonnant. Tu vas attraper l'AVC. Et ce que vous n'aimez pas, je vais que vous dire la vérité. Tu vas attraper l'AVC. Tu vas en sonnant. Pardonnez. Il y a certaines dettes que vous avez retenues là. Le père de mes enfants. Hein? Quand tu penses au père de tes enfants, tu vois ça là. Vous allez caler dans cette position là. Mon ex, un méchant comme ça là. Tu vas caler dans ça là. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait.
un méchant comme ça. Parle. Plus tu parles aux gens. Mon patron, il m'a utilisé pendant 7 ans. Il me renvoie sans promotion. Gardez-les dans vos cœurs. C'est bien. Vos ex qui ont pris votre argent sont partis avec les. Pardonnez-le, laissez-les, libérez-les. Tu m'as appris, je te bénis. Invite-moi à ton mariage, je vais venir. Bénissez vos ex. On vous connaît, non? Hein? Votre père là, un idiot comme ça. Hein? Quand tu parles de. Tu parlais toujours mal des pères de vos enfants. Le père, c'est comment? Il arrive, pardon. Ça va très bien. Ils sont beaucoup. Continuez, vous allez caler comme ça là. Arrêtez, on ne dit même pas qu'oublier. Arrêtez de parler de ça. Tu racontes l'histoire de ton ex combien de fois par jour aux gens? Yay! Jesus! Tu as souffert plus que qui? L'AVC est gratuit. Non, tu as bien dit. Nasuito. Vanessa, tu as bien parlé. Sarah Biloa, vous vous connaissez? Quand j'ai pardonné au père de ma fille, j'ai pardonné à mon père. Oh là là! Hey! La délivrance de ça. Quelle raison c'était que le père de ma fille, il a foutu ma vie en l'air. S'il n'accouchait pas. C'est que, voilà, il m'a flatté, j'ai accouché. Maintenant, j'ai laissé mes études. Quoi? Mon père, alors? Oui. Tu m'as abandonné. Ouais. Tu n'étais même pas marié avec ma mère. Wow, oui. Chacun a son bagage. Certains même, tu as eu ton mari, vous étiez bien appris les motos. Tu as son macabre dans ton cœur. Tu es parti, tu me laisses avec les enfants à qui? Au Takabibwa. C'est dans ton cœur, ça fait 30 ans. C'est dans ton cœur. Dès qu'un homme vient dans ta vie un peu comme ça, là, tu dis, non, le père de mes enfants m'avait abandonné, pardon. Écoute, tu dois arriver à un niveau même où on te parle même. On dit, on te demande que comment va le père de tes enfants. Ah, non, il va bien. Il va super bien. On s'est m'appelé l'autre jour. Oui. Oui, il va bien. Oui. Ton père, ah oui, papa, non, papa va bien. Ah oui. Tu prends ça chaque mois, tu envoies, tu t'occupes même de lui encore, tu lui envoies son argent de béni chaque soir comme moi là, à ton père. À comprendre que non, ma fille, il va te bénir. Ton père, là, dans son cœur, il est content que non, ma fille. Lui-même, il sait que quand tu étais petite, là, il ne s'occupait pas de toi. Tu grandis. Tu arranges sa maison. Chaque mois, tu vis là dans son compte. Orange Money, tiens, le premier. Il reste comme si tu dis, mais l'enfant, si. Garde Dieu, bénis-la. Bénis-la. Bénis-la, Dieu. Vous ne voulez pas oublier les gens. Vous ne voulez pas pardonner. Non, mon père m'a abandonné avec ma mère quand elle avait 9 mois de grossesse. Moi, il ne peut pas lui pardonner ça. Ça fait 10 ans que tu n'as pas les papiers. Tu as pris ton père, tu as mis dans ton cœur. Il me laisse avec 4 enfants, il part où? Hein?
Il est parti se remarier après 6 mois. Ils ont là 4 enfants encore. Te voilà à la maison. Tes enfants aussi, quand ils parlent de leur père. Ces enfants sont beaux, mignons. Dès qu'ils commencent à parler de leur père, tu vois comment ça va? Papa, papa, lui, il est méchant. Ah! Voilà comment tu as passé ta malédiction de génération à tes enfants. Voilà comment toi, tu as prié, Hora. Tu as donné à tes enfants. Pour hier, si vous savez comment les démons entrent dans vos vies pour vous attacher, c'est bête. Donc c'est ça qui m'attachait. La preuve, quand on te demande comment va le père de tes enfants, qu'est-ce que tu dis de lui? Il va me venir pour ça me voir l'autre jour, je ne l'ai même pas. Quand elle a commencé à bavarder, elle me soulevait, je suis partie. Il m'a abandonné avec les enfants, il va se marier avec une autre femme. Oui, oui. Quand elle parlait, quand la femme là, tu la voyais, tu sentais l'amertume sur elle. Vous dites que vous avez pardonné. Tandis que demain matin, quelqu'un va te demander comment va le père de l'enfant là. Comment va le père de Papiou? Ah, le père de Papou. Il est au Canada avec une femme. Quand tu penses, tu vois comment ton il est au Canada avec une femme. La haine commence là. Ça aurait dû être moi qui l'allais épouser. Ça aurait dû être moi. Ça aurait dû être moi. Voilà ça. Il est parti épouser la femme là-bas. C'est comme ça que tu te bloques. Condition pour rentrer dans la dimension financière que je viens de vous dire. Donc ne me cherchez plus pour les consultations. Ne me contactez plus, vous dites que vous voulez la consultation. Je vais faire beaucoup de vidéos maintenant. Réservez le lavage. Payez les kits que vous utilisez. J'explique beaucoup de choses dans les vidéos pour que vous puissiez comprendre. Quand vous contactez l'une des secrétaires, des vendeuses, des représentants, vous savez ce que vous voulez prendre. Mais moi, pour me parler là, oubliez. Je vais encore changer de numéro. Tout ça vient de nos secrétaires. Oubliez que vous pouvez me parler. Oubliez. Forget them. Parce que vous êtes paresseuse et paresseux. Vous ne voulez pas apprendre. C'est la vérité qui va te libérer. Ce n'est pas l'imposition des mains. Ce n'est pas parce qu'il veut te faire la vision. Tu dois détecter ton mal. Tu dois t'asseoir, tu te diagnostiques. La semaine passée, une fille entrée, là, je m'assois dans la salle avec elle pour la consultation. Elle me dit que mamie, ça fait il y a 3 semaines qu'elle fait mon jeûne. J'ai pris le kit de déblocage. J'ai diagnostiqué chez nous qu'il y a un mari de nuit et une malédiction générationnelle qui fait que les filles ne se marient pas. Moi qui ai même forcé, je me suis mariée. Voilà, on s'est séparés. Ma petite soeur n'est pas mariée. Telle personne n'est pas mariée. Elle fait tout le chemin. Ma mère s'était mariée après deux ans de mariage. Pape, elle est partie du mariage. Je sais qu'il y a un homme fort dans notre famille qui nous empêche de nous marier. Elle-même. Et donc, je me suis assise, écoutez. Il dit voilà, ok. Toute seule. J'ai compris à la fin qu'il n'y a même pas besoin de lui parler. Le direct que j'ai fait tout à l'heure vous a dit que vous êtes celui qui a brisé la malédiction de votre famille. Et c'est votre savoir. C'est votre savoir qui va vous amener à une autre dimension. Vous allez devenir smart, sage, intelligent. La deuxième chose que vous allez faire et que vous devez faire, qui va vous faire rentrer dans cette dimension financière que vous ressentez depuis, et la première chose que vous devez pardonner. Pardonner. Deuxième chose qui est difficile, débarrassez-vous des anciennes choses. Il y a certaines choses dans votre vie qui ne doivent plus être là. Il y a les chats, les chiens, les chats. Vous avez compris ce qu'elle dit. C'est un vêtement que vous ne devez plus avoir dans votre penderie. C'est une voiture que vous devez... Quand d'autres quelqu'un avait la voiture là, tu cours dans la voiture comme ça là, c'est quoi ça? Toujours parce que tu veux avoir la voiture.
Nawati, il y a certains talons là dans ta penderie que c'est penché déjà. Prends, tu jettes. Jette. Sac à main là, quand tu portes, c'est gratté derrière là, comme ça là. Jette. Oyoa. Merci, monsieur Tweno. Hugues. Prenez-moi les choses là, vous jetez. Il y a les maisons avec les moisissures là où vous êtes depuis des années. Soit vous arrangez la peinture, soit vous sortez de là. Donc si tu attends en avril quand la crypto va te payer pour payer mes kits, pardon Marie, il faut que tu quittes de ma page. Je ne veux pas les pauvres ici là, je t'en prie. Beaucoup de choses que vous avez dans votre environnement, c'est sale, c'est vieux, c'est gâté, c'est percé, c'est déchiré, c'est cassé. Il y a les verres dans votre armoire, vous devez vider. Même si tu as deux bons verres. Vous devez porter. Je dis que, ouais, Seigneur. Il y a une porte dans ta maison là que quand tu ouvres, ça fait du coup. Il faut que tu pousses encore, coup, coup, tu pousses un peu, pouf, tu commences, tu. C'était la police qui venait casser la maison de quelqu'un avant d'entrer. Demain, arrange-moi la porte là. Arrange la porte là demain. Non, you are. Même en Belgique, il y a des gens, vous serez surpris de savoir que les gens en Belgique, vos maisons là sont gâtées, gâtées. Tu vis dans un endroit que tu n'as pas peint la maison là depuis 6 ans. Pour les gens alors c'est grave. Au fait, comme ça. Il y a même les maris qui connaissent. Vous devez prendre les maris. Un de mes fils m'appelle aujourd'hui et me dit, j'ai découvert le décepticon de ma vie. J'ai dit que qui? Il dit la mère de mon enfant. Il dit, hein? Il dit que c'est fini, c'est bon. J'ai trop essayé, c'est bon. Je vous donne 7 jours pour faire tout ce que vous dites là. L'énergie là sera partie. Attendez fin mai, attendez fin, c'est votre problème là-bas. Vous allez lire l'heure sur le calendrier des Batoufemmes. Certains d'entre vous. Vous avez toléré. Ma chérie, arrête de désirer les vêtements que tu disais là. Stop. Vis de ton amour. Tu vas te lever un jour, tu vas ouvrir aussi, il n'y aura rien dans l'amour. Tu vas partir acheter la bille le jour là. Le jour là. C'est bien sa trésor. Change radicalement. Ma chérie, je te dis que les 3 semaines qui vont suivre ton changement d'habit là, tout va changer dans ton environnement. Tout. Même le mari Ticon là, il va te dire, ma chérie, je pars où? Il va t'appeler, tu dis que je suis Abraham là-bas avec une nouvelle femme. Que pardon, oublie-moi. C'était l'homme là qui t'a empêché d'avancer. Rosie et je n'aime pas les gros, les longues. Oui, je veux effectivement faire des réformes qui vont favoriser la positivité et le progrès. Je veux que l'enfant de 4 ans, s'il arrive, il m'entend. Il dit, maman, tu as dit qu'on porte ça, on met là-bas, non? Je n'aime pas les mots de réforme, de positivité. C'est trop compliqué. Je n'aime pas les. C'est compliqué dans ma tête. Mes neurones ne. J'aime les choses simples. Simple. Oui. Si vous saviez comment l'énergie, votre énergie est bloquée. Vous êtes paresseux. Est-ce que vous savez que ce que vous regardez, vous devenez? Il y a même les quartiers que vous devez, je vous assure.
J'ai emménagé quelque part, j'ai fait 5 semaines. La 6e semaine, je suis en train de partir. Je vous dis. Parce que mon niveau avait changé. Avant l'endroit là, moi je suis championne des déménagements. Hein. Et quand je vois mes 4 derniers logements, c'était upgrade, 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 upgrade. Le nouveau logement que j'ai pris, quand je suis arrivé au parking, en entrant pour arriver en haut de l'immeuble, je vois Range Rover, Range Rover, BMW dernier modèle, Range Rover, BMW dernier modèle. Je dis, this is the place. I'm at the right place. Enfin. Écoutez, ne dormez pas. Par le genre que tu as la voiture, tu es le seul dans ton quartier à voir la voiture. Quelqu'un passe, il voit ta voiture, il veut gratter la voiture. Que tu fais mon coup avec la voiture. Non! Tu l'as fait le genre que quand tu vois, tu dis, ah! Il faut... Le modèle là me plaît. Ok, moi j'ai la version 2018. Toi, tu as 2021. Nice. 22. Nice. Ça, c'est mon objectif. Voilà ce qu'il vous faut. Écoutez-moi. Écoutez bien. Je sais de quoi je parle et je connais les gens. Je connais les gens qui vont venir me dire que ma reine... Tu as parlé la fête, c'est comme la blague. Moi, j'étais toujours ici en Belgique. Moi, je savais que mon niveau de voiture pouvait être seulement que 7 000 euros, 10 000 euros maximum. Mais voilà, en 4 mois, je suis dans la voiture 50 000 euros. Oui. Tu as vendu tes produits sans... Voilà. Sans effort. Regardez, hein. Il y a les petites confrontations dont vous n'avez plus besoin. Quand ton niveau change et que tu sais que ça a changé, tu vas commencer à avoir des problèmes avec les gens qui sont en bas. Oh, mon patron. Oh, mon bailleur m'a fait des problèmes. Oh, mon mari m'a fait des problèmes depuis 3 semaines. Your energy has shifted. Le matin, tu vas laisser un gars. Le soir, tu vas rencontrer l'autre. Avec le nouveau, ça sera comme si c'était une continuité. Au chat, un chat aussi. Parce que ta vibration, c'était tellement élevé que, like, ça fait ça. Wouh, wouh, wouh. Tu quittes les petits niveaux là. Les starlettes. Les starlettes. Toyota, Yaris. Tu quittes de là. Les petits chevrolets là, tu quittes dedans. Ton niveau doit augmenter avant que tu rencontres le niveau là. Donc, il y a beaucoup de personnes. Bonsoir Estelle Valérie. Beaucoup de personnes. Voilà, Marie-Lucie. 26 000 euros. Dans moins de 6 mois, tu auras pour. Je vois le chiffre 35 000 euros. Donc, l'envie va te venir un moment. Il faut saisir, tu vas voir. Qui vous a dit que vous devez attendre 10 ans avant d'avoir une nouvelle voiture? Même 7 ans avant d'avoir une nouvelle voiture? Qui vous a dit ça? Vous avez vu ça dans quel livre? Qui vous a interdit d'avoir 4 voitures de parking? Qui? Toi-même, non. Parce que tu as acheté une voiture
Tes amis avec lesquels tu es parti à l'université, qui n'ont même pas zéro voiture là. Ah, tu sais, tu as déjà trop fait. Ah, tu as déjà. Non, tu sais. Non, vraiment. Non, une voiture, ça va, c'est bon. Pour maintenant que tu as la voiture, il faut chercher à faire. Tu dis non. J'ai seulement une voiture, il me faut quatre voitures. N'ose même pas dire ça à tes amis, tu connais. Il y a certains amis que tu vas effacer. Donc, tu vas les bloquer de ton WhatsApp. Ils ne voient plus tes statuts. Ils n'arrivent pas à t'écrire. Parce qu'il y a des gens même que quand tu sais qu'ils ont vu tes statuts, ça fait bizarre. Quand tu sais que telle personne m'a regardé, ça fait genre. Je vous ai dit hier d'aller écouter la chanson de Ciara. Level up, level up, level up, level up, level up. Je vous ai dit d'aller écouter ça, non? Je vous dis que c'est vous qui me faites bavarder comme ça. Vous avez demandé trop de choses aux ancêtres. Trop. Je reste comme ça, ils me téléchargent les messages que parle. Je reste et même me reposer. Mon cœur, mon corps ne s'assoit pas. Et vous lire là, voilà la chanson de Ciara là. Écoutez sa musique. Them old mistakes are gone. I won't do them no more. Les anciennes erreurs sont passées. Je ne vais plus jamais les refaire. That's old news. Ça, c'est de l'ancien. Il y a des choses nouvelles. Je l'ai déjà, j'ai déjà fait ça avant. Oh, come on. Allez me regarder les lyriques de la femme si. Je prends rien. Je transforme ça en quelque chose. I turn nothing to something. My comeback on one, honey. Donc vous m'avez enterré. Vous pensez que je suis partie. Je réapparais. Tu vois le genre de quartier qu'on t'avait dit que, oh, elle là, pardon, on a dit la veille. Pas fait ton lavage au sel, lavage au cendre, lavage à ceci. Tu réapparais là-bas avec une BMW. Et ce n'était même pas intentionnel. Tu passais dans un des restaurants du quartier là. Tu ne passais même pas là-bas pour leur montrer ta voiture. Ils t'aperçoivent. Elle dit, less talking, more action. Je parle moins et j'agis plus. Just got on CC coming. I just keep elevating. Je m'élève seulement. Je continue seulement de monter. Plus de pertes. J'upgrade. J'upgrade encore. Mes leçons m'ont donné des bénédictions. Maintenant, je les transforme en argent. Voici le genre de femme qui vous devez avoir. Voilà votre ami. Voici votre genre d'ami qu'il vous faut. I'm chilling. Je me relaxe. Je gagne. Je monte sur un autre niveau. Oh, tu peux parler comme tu veux. You can talk all you want. Tu me vois? Moi, je vois plus grand. C'est la chanson de Ciara, elle, Level Up. Je n'ai peur de rien, elle dit. Et je peux tout avoir. Après, fait 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Level Up, Level Up, Level Up, Level Up, Level Up. Après, elle dit, l'autre partie maintenant. Fake friends. Les faux amis, je les ai jetés. Comme du papier. Léger. Maintenant, je forme l'équipe des gens qui aiment. Je ne veux plus les haters. I'm grinding, je bosse. I'm shining, je brille. Up, up, up on my way. Je monte, je monte, je monte. Dieu merci, je ne m'assois jamais. I never settle.
Je ne reste jamais à un niveau. Thank God I never settle. This view is so much better. Oh, thank you, Ciara. Merci, Ciara, d'avoir chanté la chanson-ci. Oh, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi sa chanson-ci, comme ça, là, je suis assez hier, j'ai eu la révélation de la chanson-ci. Je n'avais jamais lu toutes les paroles. Elle dit que la vue que j'ai d'ici est beaucoup mieux. This view is so much better. Sûrement, elle est maintenant au 25e étage de la tour du Wiz Khalifa. Alors qu'avant, elle était à Tonganville, dans une petite maison là-bas. I'm chilling, I'm winning. Like on another level. Après, quand il dit, all is all level, on another level, elevate your level. Voilà ce qu'elle dit. Vous êtes à ce niveau, élève ton niveau. Graduate, ça veut dire avance. Parce qu'il n'y a personne sur le niveau où tu as été parti. Après, dit nanana. Oh my God. Et après, dit élève ton niveau. Élève ton niveau. Vous avez trop dormi. J'ai traduit la chanson de Ciara, la Level Up. Ceux que vous avez dansé ça sans même savoir ce qu'elle disait. Si tu ne le fais pas maintenant, tu vas faire quand? Ça fait 5 ans que tu planifies d'acheter la chaussure là. Ça fait 9 ans que tu aimes la Cayenne. Hein? Tu parles de la Range Rover. Décide que c'est l'année-ci. L'année-ci. This year, I go drive that Benz. I go drive that Ferrari. Tout là-bas, c'est là-dedans. Ce matin, on est passé. On était à Bonapriso le matin, très tôt. Je suis allé là-bas pour bénir un magasin. En rentrant, c'était l'heure de sortie. Donc, il était 8h, non, 7h50. Donc, les enfants allaient à l'école, et tout comme ça. Et là, on voyait Prado. Et là, je dis à mon chéri, tu sais quoi? Tu vas voir une de ces familles, si la Prado pour eux, ils prennent une Prado de 50 millions, ils payent ça en un mois. C'est quoi qu'on a? Est-ce qu'on a mis quelque part? Que, donc on est venu accompagner les gens ici sur la terre. Vrai. Donc toi là, tu es venu accompagner certaines personnes. Tu meurs, on te met dans un cercueil en planche comme ça là, bizarre. L'autre, on le met dans un cercueil en 15. Qu'on a acheté ça à 1 million. On fait la cérémonie à 40 millions. Donc tu es venu les accompagner. Tu dors dans ta chambre, tu es dans la chambre ce soir. Pendant qu'il y a des gens qui sont dans les maisons de 6-7 chambres. Donc tu penses que tu es venu accompagner les gens là. Hein? Donc quand Dieu créait, il s'est dit, Loulou Bokali, je ne t'aime pas. Attends, je vais te donner une petite voiture là-bas. Ah, toi, je t'aime. Oh. Allez, prends 3 voitures. Prends Cayenne, Range Rover. Voilà. Hein? Et les choses sont en train de changer. La fortune est en train de quitter des mains de certaines personnes. C'est en train de venir dans les mains d'autres personnes. Et ces personnes qui reçoivent là, c'est les choisis. C'est nous. Bonsoir, Carl, Alain. Tu restes comme ça là. On t'appelle pour un business. Seulement parce que tu connais quelqu'un quelque part. Ok, ta commission c'est 20 millions. Prends tes 20 millions. Ouais, tu connaissais quelqu'un. Prends. Prends seulement. Écoutez, dites-vous à partir de ce soir, je ne suis pas venu accompagner les gens sur la terre. Je ne suis pas venu accompagner les gens sur la terre.
Donc les belles, les bonnes nourritures là, c'est seulement d'autres personnes qui vont manger. Hein? Donc les... Jet privé. Tu vas seulement voir sur les Instagram les gens. Hein? C'est parce que je ne vous montre pas mon quotidien. Hein? Et mon gars me disait qu'il faut que j'arrête. Que je dois vous montrer comment je vis. Peut-être vous croyez que je ne souffre pas moi. Il dit, montre à tes followers comment ta vie est en train de changer. Il faut qu'ils comprennent. Ce que je vous dis là, hein, c'est réel. C'est pour ça que je parle, vous sentez ça à l'intérieur de vous. Vous savez que ce que Dieu est vrai. Décide-toi que je ne suis pas venue. Je dois aussi prendre mon selfie dans mon jet privé. Je dois aussi faire mon... Tous les jours, tu achètes 4 Louis Vuitton, 5 Gucci. Et c'est... Tu fais mon salon. Je demande. Donc vous pensez qu'Instagram, là, c'est seulement pour les autres, que vous allez seulement voir tous les gens. Ah. Vous n'avez même pas encore touché l'argent. Tu voyages, première classe. Tu arrives, grosse voiture t'attend. Hôtel 5 étoiles. Ça devient ton quotidien. Donc, habituez-vous au luxe. Habituez-vous que votre vie soit... Donc, vous aussi, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a les gens qui ont l'argent et ils souffrent. Toi, tu auras l'argent. Tu auras le bonheur. Il n'y aura pas la souffrance. Tu te maries. Tu parles de ton mariage. 3 semaines, tu organises, tu te maries, ça finit. Tu te lèves, tu dis que tu veux l'enfant. Premier mois, tu conçois. Écoutez, il y a un degré où tu ne souffres plus. Parce que c'est qu'il y en a parmi vous, tu redoutes que ah, si on se marie, après on cherche l'enfant, est-ce qu'on va trouver? Premier mois, ma chérie. Pam, c'est entré. Tu as même 43 ans au-dessus. Tu dis que yes, la reine Josine, tu m'as bien préparé pour la fête. Oui, tu tapes encore 2 enfants. Deuxième enfant à 45 ans. Et écoutez, vous allez vous regarder dans 6 mois, vous regardez en arrière. Elle avait raison. Donc, il peut... Tu cherches le problème comme ça, tu ne le vois pas. Tu es heureuse. Tu as une relation où tu es aimée. Gars. Donc ça hésitait. Everything I put my hand go up. Amen. Good news, girl. Look at me. Amen. Amen. J'ai fait la publicité de l'homme là jusqu'à. C'est comme si c'est mon cousin. Donc vous allez aussi mourir sans voir le luxe. Sans toucher ta voiture. Tes sièges en cuir. Que tu as commandé dans la maison qu'on fabrique. On a mis tes initiales dessus. Gars. Beyoncé a chanté une musique là. Hein. Vous savez, parfois, hein, j'ai la musique que je mets, la musique prêche, ça me prêche. Il y a la chanson où il chante Apes of the of Carters, un truc comme ça là, Beyoncé et Jay-Z. Elle dit, spend my money fast, go fast, 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 fast like my Lambo. Après, un moment, elle dit, I got expensive habits, c'est-à-dire, j'ai des habitudes très chères. J'ai des habits chères, j'ai des habitudes chères. Donc, je peux rester en salle le matin et dire que je veux manger un petit déjeuner qui vient de Paris alors que je suis à Badjoun. On prend un jet, on fait piou. Je dis ça à minuit à mon chéri. Il arrive à Paris, le chef des Champs-Élysées fait ça. Papa, on met. Après,
On fait piou, l'avion revient encore. Ça me trouve à 9h qu'il vient de me réveiller. On dit, madame, votre petit déjeuner est servi. C'est un blanc qu'on a pris aux Champs-Élysées. Quand il va finir de me servir, comme s'il va encore rentrer dans le jet privé, il va encore repartir. Piou! On a trop minimisé les Camerounais. Écoutez, dans 15 ans, qu'on va regarder en arrière, tout Badjoun sera l'aéroport, piste d'atterrissage. 53 jets privés à la conférence de Jocelyne. Que vous êtes tous venus à Badjoun. On dit que les Camerounais là veulent nous montrer quoi? Non, ils se sont réveillés. They just woke up, you know. They just discovered the God in them. They just found out that they're not ordinary people. And they decided to shine. Whatever the circumstances, whatever the situation. And they don't care what you're thinking. They don't care what you're thinking. They don't care about you, actually. They're not afraid. They're not afraid to die. They're not afraid to fail. They're not afraid of your opinion. They're not even asking for permission. Come on. Everybody say amen, amen. I say my own amen. Mm-hmm. L'argent, c'est l'énergie. Accumuler beaucoup d'énergie. Just get the energy. Get the energy. You will see your bank account. Get the energy. Il y a les idées que ça va entrer dans ta tête. Tu dis non, non, ce n'est pas possible. L'idée dit que ouais, laisse-moi entrer dans ta tête, non. Que please. Tu dis non. J'ai pas encore vu ça, n'ai pas encore vu ça, Badjoun. L'idée de dire que ouais, laisse-moi entrer dans ta tête, non. La Bible dit, eyes have not seen, ears have not heard what God has in store for people who love Him. And I love God. Les yeux n'ont pas encore vu, les oreilles n'ont pas encore entendu ce que Dieu a prévu pour moi. Cherchez en Afrique, vous n'avez pas encore vu ce que Dieu m'a fait avec moi là. Vous n'avez pas encore vu. Laissez vos ailes pousser. On parle de votre avenir. Je vous parle de votre vie ou de votre mort. Drake a dit... Everybody dies, but not everybody lives. Parfois, je reste comme ça. Je peux mettre les anciennes chansons de Drake, de Nicki Minaj. Je vois quand ils étaient encore, ils se cherchaient encore. Mettez les faux diamants, les faux bijoux, les fausses perruques. Mais il y avait la vision. Et le temps là, tu ne pouvais pas les dissuader que non. Rappelez-vous de Nicki Minaj quand elle chantait boom boom. Can you hear that boom 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 boom? Hey, like a super bay. Boom 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 boom. Hey. Ça fait peut-être 12 ans qu'elle chantait la chanson ça. Le temps là, Nicki Minaj, elle venait de faire sa chirurgie, ça ne donnait pas encore bien. Mais maintenant là, elle sait que même si elle fait, même si elle tousse, c'est le rap qui va sortir. Et on va payer. Elle se lève le matin, elle fait une chanson, le soir elle fait l'autre, elle perd peut-être un peu l'enfant, après elle vient faire l'autre. You gotta own your craft. Moussa, tu ne te sens pas bien, tu pars à l'hôpital, non? Comment vous voulez encore? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Tu veux que je laisse mon direct pour venir te parler de toi? Non, ouais, Tina. Ben, t'es déjà dans les étoiles, les dimensions là, pardon, faut pas me descendre de là.
Il y a des choses que vous avez déjà vues souvent, que vous allez faire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en a parmi vous, vous serez, avant la fin de cette année, vous serez des célébrités. Il y a même certains abonnés qui vont vous enlever sur ma page. Je ne veux même plus tous les abonnés. Je ne veux plus n'importe quel followers. Je ne veux plus n'importe quel followers. Parce qu'il y a même les commentaires que vous faites qu'ils ne veulent même plus lire. Je ne veux plus vous lire, moi. Si vous restez un matin, vous ne voyez pas ma page, je vous ai bloqué. Vous êtes parti. Oui. Libérez la ligne. Bah, depuis que vous m'écoutez, vous avez fait quoi? Rien. Vous n'avez rien fait, non? N'est-ce pas? Voilà. Ne faites pas. Vous verrez ça, les gens qui font. Vous allez commencer à rêver. Chaque nuit, vous serez seulement dans l'avion en train de voyager. Chaque nuit, vous serez avec Eto. Chaque nuit, vous serez... Wow, je suis que chaque nuit avec les stars. Parce que tu sais dans toi. Que ça, c'est... Je suis censée être là-bas. Tu rêves, tu vois, tu avais Beyoncé ou avec Rihanna. Vous parlez. Hey, Beyoncé. Hey, Jocelyn. Hey, how you doing, girl? Am I coming over? She didn't know. Let me come over. She's like, oh, no. Okay, I'm gonna send you my driver. And you're like, okay. Yeah. So how is Jay-Z? Well, yeah, he's doing fine, you know, but, you know, with the kids, it's just like, you know, all over the place, but, you know, we don't wear, we're fine. Yeah. He went to Bahamas yesterday, you know, but it's okay. I'm gonna wait for him, you know. I'm like, yeah, I'm just gonna chill and do some shopping, you know. I bought like 10 Louis Vuitton bag yesterday. Yeah, it was quite nice, you know. Yeah. Yeah, that was good. Yeah. Mon discours n'est pas pour tout le monde. Nous sommes voyons que la fille a parlé avec ses cheveux bizarres comme ça là. Gars, tu sais quoi, pas seulement. You know for me. My people know me. Mes gens me connaissent. Maintenant, je veux les femmes et les hommes d'action. Je veux les gens d'action. Je vous donne les directives sur la page ici. Je vais bloquer comme il n'est pas permis maintenant. Je veux les témoignages d'action. Qui a été écouté, je suis parti, j'ai sauté, j'ai fait ça. J'ai investi mes 500 000 que j'avais. 5 semaines plus tard, voilà ça, j'ai 50 millions. Yes. Pamela Ngono, bye. Bye. Si ne livrez pas la voix, vous croyez que les autres abonnés vont venir comment? Mais là, après le cercle, rien ne change. Je cherche les Facebook ticons là. Je vous enlève sur ma page. Tu sais, avec tout ce que j'ai fait là, ma tête ne vous a pas énervé jusqu'à vous êtes parti. C'est que vous êtes vraiment ma personne. Je suis là, je veux changer ta vie, je te force. Gars, tu sais quoi? Pas. Pas. Tu vois, quand tu restes sur Facebook, c'est là que tu me donnes quelque chose. Vous aimez quand on vous supplie. Ouais, fais ton lavage, non. Ouais, ne fais pas. Tu as compris? Ouais. Ne fais pas, B. Tu as compris, B? Vous allez lire là, sur le calendrier des Ukrainiens, comme on a dit, comme quelqu'un a dit tout à l'heure. Une fortune qui est dans l'espace, dans l'air. L'énergie est là.
Ça a commencé déjà depuis un ou deux mois. 2022, c'est ça, c'est une année clé. Si tu ne deviens pas riche en 2022. Gars, tu n'étais pas bien lavé au village. De Simon. Tu vas bien laver au village. Bon, j'ai terminé. Contactez les représentants, on va vous donner le prix des kits. Si vous n'avez pas l'argent, lavez-vous juste avec le sel simple. Vous avez compris. Et si vous ne voulez pas, ne vous quittez sur mes kits. Vous avez compris, non? Désabonnez-vous juste. Verouka Kedi, envoie ton truc sur le 680. Envoie ta commande. Ton DHL va partir lundi. Si vous avez fait les commandes, on n'a pas encore envoyé. Faites les messages, je vous en prie. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Vos vies vont changer. Je vous ai attiré à moi. Si vous êtes pauvre, commencez à vous laver avec le sel à partir de ce soir. Ok? Si vous êtes pauvre, vous ne voulez pas devenir riche, quittez sur ma page, je vous en prie. Ne vous inquiétez pas, partez juste, passez. Ok? Just move on. Ok? Just move on. It's okay, you know? I'm fine. Just move on. Maintenant, si vous êtes arrivé, pas de consultation. Je ne fais plus de consultation. J'explique. Dans la journée, c'est ma troisième vidéo de la journée. J'ai expliqué les kits en journée. Quels kits vous devez prendre? Commencez par le kit déblocage. Si vous venez d'arriver ici comme ça, vous ne savez pas de quoi je parle. Prenez un kit déblocage, vous utilisez. Ok? Le kit déblocage, vous pouvez l'avoir au Cameroun, 25 000. France et tous les autres pays, c'est dans les 50 euros comme ça. En fonction du pays. États-Unis, Canada, les numéros sont là. Vous ajoutez à ça 3 à 7 jours de jeûne. Et vous mettez votre situation devant le Seigneur. Seigneur, ouvre mes portes. J'ai longuement enseigné sur les malédictions générationnelles sur la page. Pour montrer comment détecter si tu as une malédiction. S'il y en a une, pas maintenant, tu prends le kit fondation. Quitte attirance, peut-être on te drague, tu ne reçois jamais l'argent. Tu vends les produits, les clients n'achètent même pas. Tu as l'impression que les gens te détestent. Il te faut le kit déblocage et attraction. Dans le kit commerce, tu as un business que tu fais.
Donc, tu ne travailles pas pour quelqu'un, mais tu fais un business. Ça, c'est le kit commerce. Et à tous ceux qui complotent dans mon dos, tous ceux qui complotent, que ce soit mes anciens employés, que ce soit mes... Je vous souhaite du courage. Vous avez compris. Beaucoup de courage. Tous mes clients ticônes qui parlent avec mes anciens employés aussi. Vous complotez. Je ne sais pas pourquoi vous êtes encore sur ma page. Vous m'avez insulté à mes employés. Ou vous m'avez fait... Je ne sais pas comment vous êtes encore abonné sur ma page. Ça n'a même pas de sens. N'est-ce pas? Mais je vous salue quand même. Everything I put my hand must work. My name would open doors. Dites alors amen. C'est ça. L'énergie doit toujours être high. L'argent suit l'énergie. L'âme suit toujours l'énergie. L'âme suit l'énergie. Donc, si vous voulez l'âme, il faut avoir l'énergie. Et si vous voulez l'énergie, il faut avoir l'âme. Bon, passez une très bonne soirée. À demain matin. On va maintenant faire beaucoup de petites vidéos pour se booster. Parce que je dois vous booster. Vous devez avancer. Everything I put my hand must work. My name will open doors. Amen. Oh, Lord, will be my God. Amen. Bonne soirée à vous.